Ce matin sur la cano, bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps variable sur la mer, dégagé sur les terres. Ça picote le bout des pieds, il fait 11 degrés. La température de l'eau est à 18 degrés. La marée est en train de finir de descendre. Le plein bas est à 8h55 avec des coefficients de 65. Sur cette fin de marée descendante, le vent est au nord-nord-est à deux beauforts établis. Plan d'eau fripé, phase de vague assez lisse et houle qui est longue avec 12 secondes de période orientée nord-ouest. Une houle qui est multipique et sectionnée. En reprise par rapport à hier soir, délivrant aux séries espacées 2,30 m. Entre les séries, il y a 1,50 m à 2 m. Et aux séries, il y a 2,30 m. Bon, c'est quand même bien agité ce matin. Ça fait des pics un peu partout sur les plans d'eau, sur les spots, sur les bancs de sable. Il y a quelques bancs qui arrivent à dérouler quelques petits pics de manière assez aléatoire, désordonnée. Ça décale, ça passe pas. Les surfeurs checkent les conditions et repartent au chaud. Personne à l'eau. Évolution pour le reste de la journée, là où le reste stationnaire à la mi-journée s'essouffle un peu en soirée, la boire cachant est relevé à 3,70 m et 8 secondes, à 13h 2,30 m, tout le de nord-ouest 12 secondes de période avec un vent qui passe nord toujours dans les deux beauforts, et à 17h plus que 2 mètres sur une houle de nord-ouest avec 12 secondes de période, un vent qui doit passer nord-nord-ouest et se calmer un peu à deux beauforts. Ben, les vagues vont rester agitées et multipiques aujourd'hui, ce matin side offshore, peut-être cet après-midi avec la marée haute. Et le vent qui fait bien un peu mieux. À confirmer, c'est pas gagné. Prochain point, 11h30. À tout à l'heure, merci.